Et bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette partie 21 sur Pokémon version éclat pourpre. Alors en off, là vous voyez je suis au mont pic. En off j'ai fait quelques combats de Pokémon. Ouais j'ai préféré faire des Pokémon sauvages en fait que des Pokémon. Des dresseurs, tout simplement. Alors, ben voilà, les fruits de mon entraînement. Croca-Cola, ben tout le monde niveau 50 en fait. Et l'œuf a éclos pendant ma séance d'entraînement. N'est rien d'autre qu'un Togepi, voilà. Bon, il est pas trop utilisé, mais je pense que un seul ordo de type normal est bien pire quand même. Hein. Voilà. Alors, je vais le ranger tout d'abord. Je me suis surtout entraîné... Bon, pour ceux qui sont efficaces contre les Pokémon insectes, je suis allé au parc Fleury, au-dessus de Crowsville. Mais là, je suis allé à la grotte glacée qui est juste au-dessus de du mont Pic. Alors... On va te déposer. Voilà. Et par contre, comme dernier... Bon, la dernière fois, on a eu Celebi. J'ai oublié de faire un petit peu la rétrospective de la dernière fois. Donc la dernière fois, il me semble qu'on avait réussi la... Non, le... La course à harnache, c'était la partie encore d'avant, la partie 19. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon bref, on a capturé Celebi, on a découvert le port Régir. Et on s'est battu contre Silver, qui nous a rétamé. Il a des niveaux 46 maximum, je crois. Donc voilà, Celebi, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre en 6ème Pokémon? J'ai pas d'idée... Bah pour l'instant, on va reprendre Alakazam qui a Flash. On le garde pour Flash au cas où qu'il y ait un endroit qu'il nécessite. Pour l'instant, on n'a toujours pas d'objet qui remplace Flash. Peut-être que je l'ai raté, je sais pas. Alors. Attendez, par contre, je sais plus s'ils ont appris de nouvelles attaques ou pas. Alors, lui, non. Alors, Boule de Lave, niveau 44, a appris Éboulement. Qui est plus efficace que j'ai pierre, mais toujours avec la même précision. Donc c'est que du bonus, en plus ça peut apeurer l'ennemi. Boule de rien a appris rien du tout. Boule de plume non plus, et boule de nœud non plus. Voilà. Vous êtes informés de tout. Et là on va battre Silver au port Égir. Puis directement après, je pense qu'on fera l'arène. Ah, est-ce qu'ils sont soignés? Je crois, ouais. Ouais. Par contre, je me rappelle plus du tout quel Pokémon il avait en premier. Dans le doute... je garde Croca-Cola. Qui, j'ai réfléchi un petit peu, peut-être que je vais le remplacer. Il brise un petit peu la règle que j'ai mis. Donc oui, depuis 2-3 jours là, j'ai décidé de nommer la règle que je m'oblige à faire tout le temps là, de prendre les Pokémon que je considère comme pas trop utiles ou presque jamais utilisés, le Never Used Challenge. Voilà. Voilà. J'ai mis la description du Never Used Challenge à toutes les vidéos, donc voilà. C'est parti. Donc voilà, ça parle bien, encore une fois. Bah, bon, tu me saoules, etc. On se combat. Ah, c'était Ursaring, donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va te faire, toi? On va faire des danses lames, déjà. Alors, Croca-Cola a une bonne défense, une bonne défense spéciale, de tête, il me semble. Là, je me suis un petit peu éloigné du micro. À mon avis, j'étais trop près, juste à l'instant, là. Des fois, je me mets trop près parce que j'ai peur qu'on m'entende pas, donc... Dans le doute.
Allez, encore une troisième. Là, je pourrais pas aller plus haut. Parce que, bon, j'ai déjà expliqué ça. Ah oui, c'est vrai que tu spammes les séismes, toi. Heureusement que j'ai reste. Qui est un petit peu longue l'animation, mais bon, on va faire avec. Et tranche, allez. Normalement, je one shot. Si tout va bien, ouais, voilà. Tranquille, tranquille. Alors, Nidoking. On va pas faire pistolet à eau vu que c'est du spécial. Et que dans Slam augmente l'attaque et pas l'attaque spéciale. On va refaire tranche. Ça devrait le one shot aussi. Ah, par contre, ça c'est pas bien. Bon, heureusement, j'ai le reste qui contrebalancera le poison, je pense. Donc, non, on change pas de Pokémon. Ectoplasma. On va mettre un petit peu de mâchouille là-dedans. Ça one-shotera à coup sûr, ça c'est certain. Ah, par contre, il attaque en premier, c'est pas cool. Ça va. Ah, 1800 points d'expérience. Et ouais, parce que un solo ordre du coup ne prend plus de les points d'expérience des autres. Et des molosques, on va lui faire aussi tranche. Un petit tranche, ça va lui faire plaisir. Sauf s'il nous tue. Sauf s'il a trop de vitesse. Enfin, s'il a plus de vitesse que nous, ce qui n'est pas le cas. Et on a gagné. Assez facilement en fait. J'ai peut-être trop EP mes Pokémon, je sais pas. Alors, Coca-Cola niveau 51. Très bien. Ah non, d'accord, il y a encore un Pokémon. Ok. Alors, un autre alligator, on va mettre boule de nœud. Alors, poudre dodo. Tiens, il peut apprendre danse draco, lui. Moi, ça m'étonne pas. Par contre, il augmente deux caractéristiques que j'aime pas. Calme-toi un peu, alligator. Ouais, voilà. Il a des trucs de soins. Il a des objets de soins, donc on profite pour l'attaquer. Oh! Il lui restait 2 PV, là. Et qu'est-ce que t'as? T'as une Bessitrus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tant mieux. Et une potion max. Ah bah là, si j'attaque pas en premier, je sais pas ce qu'il faut. Il y a peut-être une autre potion. Ouais, voilà. Hop, celle-là, on la passe. Et là je le one shot parce que c'est comme ça. Ok. 2000 points d'expérience. Encore une défaite. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? 2760, ouais. Bon ben ça finit comme d'habitude quoi. Allez, va jouer dans l'eau avec l'autre débile au poisson. Moi je me casse. Ok, donc l'arène. Oula. Je sais plus déjà où est le... Ah, là. Voilà. Bon, j'espère que l'arène va pas être trop dure, du coup. Bon, on est niveau 50, donc je pense vraiment que ça devrait aller. S'ils sont niveau 45, 46, comme Silver, franchement, tranquille. Salut graine de champion, tu sais que dans cette arène, il faut avancer en sautant sur les parasols. Fun, non? D'accord. Ouais, c'est rigolo. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, il y a de l'originalité au moins. La force ne fait pas tout. Avec les Pokémon, l'important est d'avoir une bonne stratégie. Je te prouverai que la stratégie peut vaincre la force. Bon, ça doit sûrement être un message à tous ceux qui jouent à fond bourrin à chaque fois.
Ou alors c'est un message original, enfin du jeu original. Bon, c'est peut-être pareil aussi. Hein. Par contre, Croca-Cola, je voulais pas d'XP forcément. Mais bon. Alors, il a qu'un Pokémon, c'est niveau 45. Donc, je suppose que ça va aller. Mince, mince, mince. La gauche de ma manette n'a pas voulu fonctionner. Et du coup, bah, j'ai augmenté encore plus mon attaque. Ce qui veut dire que là, si ma confusion m'inflige des dégâts, ça sera terrible, quoi. Voilà, mais en contrepart. Oh! Je l'ai pas one shot. Ok. Bessitrus. Ouais, voilà. Ah, maintenant il donne vachement d'XP, hein, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Par contre, je vais te soigner. Avec des B, ouais. Tant que j'en ai, hein. Il me reste plus que 17 B. Voilà. On va mettre directement notre chère boule de nœud. Des narines pour lui. Bon bah malheureusement boule de lave à mon avis va servir à que dalle. Mais c'est pas grave. En fait, je ne sais pas nager, alors je passe ma journée accroché à cette sorte de matelas gonflable. Quel boulot de merde. Corayon, ouais c'est ballot de pas savoir nager alors que ton boulot c'est dans une piscine. J'ai très bien fait de mettre boule de nœud. Type eau roche x4. Là t'as aucune chance de t'en sortir je pense, Corayon. Et coup critique. Combo quoi. Ouais, ils sont niveau 42 quoi. Ouais, ils sont un petit peu moins que ceux de Silver. Ouais, donc du coup, je suis vachement tranquille sur les niveaux. Hein. Et encore, je vais en gagner, donc voilà. Ouais, Surf, c'est spécial. Donc boule de nœud, enfin il craint pas grâce à son type plante, mais quand même. Hein. Ça lui enlevait pas mal alors que c'est vraiment une éponge de défense. Staros. Pareil. Ah ça va faire mal par contre peut-être. Non, je suis plante. J'oublie tout le temps, pour moi je suis haut dans ma tête en fait. Bah ben voilà! Ouais, ça va pas être très compliqué. Je pense que même le champion va pouvoir se le faire. Hein. Franchement. Boule de nœud niveau 51, ouais, 130 de défense, 113 d'attaque spéciale, voilà, c'est. Par contre, la défense spéciale, c'est vraiment catastrophique. C'est fini pour moi. Autant tu perds ton boulot immédiatement avoir perdu, quoi. Après avoir perdu. Bon, on te laisse parce que. Écoute, en fait, non, on va mettre boule de plume. Un peu chacun son tour. On va battre tout le monde, hein, comme ça ce sera fait. Du coup, j'ai pas...